Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve donc une deuxième fois aujourd'hui pour découvrir donc cette fois-ci la Maxi Box de Tini Lou. Donc c'est la Maxi Box, c'est celle qui regroupe donc juillet, août, de cette box. Donc c'est une box où ils annonçaient 12 produits pour un peu plus d'une valeur de 100 euros à peu près. Donc j'ai reçu le carton est énorme, donc j'ai juste ouvert, et donc on va découvrir ensemble 100 contenus. Donc je vais poser par terre parce que ce sera plus pratique. Mais alors, d'accord. Donc par dessus, on peut voir déjà certaines choses. Donc en fait, je vois deux produits à part. Plus après, je vois encore un sac, je pense, qui avait l'air rempli. Donc là, je vois une première chose qui m'intéresse. Un joli ballon. Alors c'est excellent. C'est de la marque, c'est Furby. Les fameux Furby. Donc apparemment, ils font aussi des produits dérivés en ballon, etc. Donc voilà, Furby. Et donc, c'est un petit ballon en mousse. Donc excellent, parce que justement, je voulais lui en acheter un. Donc pour moi, je rappelle, c'est pour un petit garçon de 19 mois. Donc voilà, super rigolo. Et donc, tout le monde, je comptais lui en acheter un de cette matière. Et je ne l'avais pas encore fait. Et donc du coup, ça tombe très très bien. C'est qu'il est là. J'ai bien fait d'attendre. Donc, premier article, ça tombe bien. Ensuite, je cherche un menu, mais je crois qu'on va attendre un peu. Donc, ensuite, je vois la marque Écoffier. J'étais sûre, oui, c'était Écoffier, je reconnais les produits. Donc, un seau, un méga seau avec pelle, râteau, arrosoir, petit moule. Donc, classique, hein, le petit bon, ça, il en a déjà un, forcément. On en a déjà acheté un, mais bon, c'est jamais perdu d'en avoir un deuxième. Ou alors on attendra, on lui donnera l'année prochaine. Enfin bref, ça se garde. C'est dans le thème, c'est super, c'est ce qu'il fallait. Bon, je suis contente également. Donc ensuite, on voit qu'il y a un gros pochon rempli. Et je vois qu'il y a encore des choses en dessous. Au fond, c'est des prospectus. Et je vois le menu. Donc, nous avons donc le menu. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, en fait, c'est une box en partenariat avec Parents. Donc, on l'avait déjà eu au mois de novembre, il me semble. Et donc, cette box avait été juste sublissime. Et donc, du coup, là, quand j'ai su qu'il faisait encore partenariat, je me suis dit, oh, trop chouette, je pense qu'elle va être géniale. Donc, pour l'instant, ça commence bien, il y a deux produits. Donc voilà la liste avec tous les produits à l'intérieur et les prix. Vu le contenu, on fera la fin où je vous donnerai les indications au fur et à mesure sur le côté, parce que je crois que sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Donc, on va essayer de ne pas trop se disperser. Donc, il y a des prospectus. Ah, donc là, on a une petite carte de Melijo, du site Melijo.com. Donc, en fait, c'est un site internet qui regroupe pas mal de vêtements et articles pour enfants de grandes marques. Voilà, et c'est à des prix plutôt abordables. Donc, ce site, j'ai jamais commandé, mais j'y avais déjà été. Et donc, oui, j'en avais entendu parler. On avait droit donc à un bon d'achat de 15 euros. Donc, voilà. Donc, ça, c'est super. Donc, ça, super contente. Donc, je vais me précipiter pour acheter quelque chose. Ensuite, nous avons Néobulle. Donc là, c'est un prospectus de la marque Néobulle. Donc, ils font des porte-bébés ou des soins ou des produits pour le soin Néobulle. Voilà. Ensuite, nous avons un prospectus forcément pour vos abonnés à Parents. Voilà, avec un cadeau. Le chez Parents. Et là, nous avons... un dépliant, la marque, je ne sais pas c'est quoi comme marque, Gros, la marque de Gros Compagnie, voilà. Donc on a droit à moins 15%, c'est le catalogue automne-hiver apparemment. Donc effectivement, ils donnent pas mal de produits, d'articles, voilà, sur ce catalogue. Donc apparemment, on a droit à moins 15%, donc à voir. Je ne connais pas du tout cette marque, donc pourquoi pas à tester. Donc, ensuite,
Eh bien, j'en vais ouvrir le pochon. Alors, c'est un tote bag. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, c'est chouette. Donc, voilà le fameux tote bag. Toutou, Tinilou, bye bye. Donc, super, le tote bag avec le dessin. Donc, je le rappelle avec, donc avec le thème. Donc, ils avaient aussi annoncé qu'apparemment, tous les dessins qui étaient là, on pouvait être retrouvés donc, dans la box. Et effectivement, je vois qu'il y a le ballon, je l'ai. Le râteau et la pelle, enfin, le râteau et le seau, j'ai aussi. Donc, à voir si on a le doudou, la casquette, les lunettes. Enfin, bref, il y a l'air d'avoir des trucs sympas sur le dessin. Donc, continuons de découvrir. Donc, je vois première chose, un imagier du père Castor à la mer. 500 mots en jeu et images. Donc, un magnifique livre, 10,50 €. Donc, hein, comme d'habitude, le prix est indiqué juste en dessous. Donc là, apparemment, c'est 500 images pour développer l'esprit de curiosité des petits, plus son jeu de développement. À qui appartient ces silhouettes? Donc, voilà, des jeux... Donc là, on a d'autres images. Donc en fait, c'est écrit, c'est sympa, c'est écrit de deux façons différentes. Donc ça permet d'habituer l'enfant à la lecture. Donc ça, c'est très bien. Donc bah, c'est tout en rapport avec la mer. Donc ça, c'est, il est magnifique comme livre. Super. Franchement, il est super comme livre. Hâte de le faire découvrir à mon petit. Ensuite, je ne sais pas trop quoi prendre. Prends-moi ça. Qui est là? La marque qui est là? Qu'est-ce que c'est? C'est des lunettes. Jocala, de 4 ans. Voilà, une boîte. Ah ouais, c'est une paire de lunettes. Oh, super! Donc, une jolie paire de lunettes bleues. De catégorie 4, donc super, elle est bien foncée, donc ça c'est chouette, et donc on a sa petite pochette toute jolie à qui accompagner, donc ça c'est top, et à l'intérieur on a encore des trucs, donc un petit autocollant, bah oui, le petit prospectus, et ah bien, et l'attache réglable pour mettre derrière la tête, qu'on va pouvoir attacher, donc pour pouvoir qu'elle... pour qu'elle puisse, pour pas qu'ils puissent les perdre. Donc ça, c'est super. Franchement, ça, c'est top. Super, ça, les lunettes. Alors, franchement, c'est utile. Surtout que moi, il en avait une. Elle commence à être un peu petite. Donc, je vais essayer, j'essaierai de lui mettre celle-là. J'espère qu'elles iront. En tout cas, je suis bien contente. Ensuite. Des couches. Yes, on en avait entendu parler donc que Huggies était partenaire de cette box. Donc on a deux couches de taille L. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Bon, 2 € de réduction à l'intérieur. Voilà, donc des couches. Ben justement, je vais en acheter un paquet pour quand il ira dans notre piscine, etc. Donc, et ben, du coup, je verrai si celles-ci lui vont. En tout cas, ça peut toujours servir. Donc, bon, dommage que c'est des échantillons, ne peut être vendus. Je ne sais jamais trop comment ça fonctionne chez eux. Est-ce qu'ils ont le droit de le mettre dans la box? Bon, c'est gratuit, du coup, on ne le considère pas comme un produit, hein. Mais bon, c'est toujours utile, c'est toujours sympa de le mettre dedans. Ensuite, spray nasal isotomique petit bobo. Donc ça, c'est super, c'est un spray nasal qui nettoie le nez de bébé. Et c'est ma marque préférée pour de spray pour le nez, de spray nasal. Et franchement, je suis fan de cette marque. Et j'en ai déjà un, il est presque fini, donc quand arrivera de nouveau l'automne et les microbes, je serai contente de pouvoir utiliser celui-ci. Donc ça, c'est top. Ensuite, nous avons un petit bec, un sac à maillot, petit pour maillot tout mouillé. Ah oui, c'est un petit, ceci n'est pas un jouet. C'est un petit sac pour mettre le maillot tout mouillé. Ça, c'est excellent. Il est tout beau en plus. Il est tout mignon.
Donc voilà, petit béguin, un joli petit sac pour mettre le maillot mouillé. Ça, c'est chouette. C'est sympa. C'est sympa. Je serais curieuse de voir quand même dans le menu un peu où est-ce qu'on en est. Je prends soin de moi. Donc là, pour tous les petits abonnés, on avait droit donc le petit bobo, 7,50 €. Donc le spray nasal, c'était 7,50 €. Donc je vous remettrai tous les prix au fur et à mesure hein, sur le côté. Et comme ça, on fera le total ensemble. À la fin, là, je vous dirai combien il y a d'articles et si vraiment il y en a pour plus de 100 €. Donc oui, on verra après. Donc là, je vois. Parents. Ah bah. Le magazine parent, forcément, 1,90 €. Donc voilà, on a le magazine parent, partenaire, c'était obligé. Et donc à l'intérieur, on a même des petits échantillons pour maman. Il y en a encore, des échantillons pour maman, donc c'est sympa. Et donc, ouais, des petits articles sur les enfants. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, décidément, Blédilé croissance, 250 millilitres. Donc déjà le mois dernier, on avait eu déjà un stick de lait en poudre qu'il a déjà bu d'ailleurs, déjà utilisé. Et donc là, je vois une petite bouteille de 250, parce que ce sera c'est sa dose de biberon le matin. Il boit 250. Et je rajoute déjà un mot de cuillère de... Je rajoute de cuillère de chocolat en poudre. Et voilà ce qu'il boit. Et donc, du coup, je vois échantillon gratuit ne peut être vendu encore une fois. Voilà, bon. Donc, je ne compte pas dans le produit non plus, hein. Mais bon, voilà. Donc, du coup, ça, c'est sûr. Demain matin, ça y passera. Donc, il reste encore deux produits. Je vois une brosse à dents Elmex. Donc, décidément, le mois dernier, j'avais déjà une brosse à dents qu'il utilise déjà. Et donc là, on en a de nouveau une avec un petit dentifrice avec. Donc, c'est sympa. Et donc, du coup, voilà pour les 0,3 ans. Donc, c'est une souple. Donc, elle servira juste après que l'autre soit plus bonne. Donc, toujours utile. Donc, moi, je le prends. Et donc, dernière petite chose. Néobulle, ah bah c'était la fameuse publicité qu'on avait eue, la Néobulle. Donc là, on a un stick d'urgence aide à soulager les piqûres. Ah, bien! Voilà. Aide à soulager les piqûres, 100% bio en plus. Donc ça, c'est sympa. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Donc c'est un petit roller. Un petit roller. Donc, fort sympathique, ça c'est chouette. Ça. Puis en plus, ce format-là, on peut le mettre dans le sac ou n'importe où. Donc, c'est top. Et donc, le tote bag. Donc, on reprend vite fait le menu. Donc, je prends soin, dans la partie, je prends soin de moi. Il y avait donc pour tous les petits abonnés, donc un stick à Dupic. Donc, le petit stick pour soulager les piqûres qui est à 8,90 €. Et donc sur le site Néobulle, on a droit encore à 10% de réduction des 25 € d'achat. Ensuite, nous avons donc le spray nasal Petit Bobo 7,50 €. Je me pouponne pour les abonnés sans culotte. Pour les abonnés avec culotte, donc nous avions la brosse à dents et les dentifrices Elmex débutants. Donc 3,50 € la brosse à dents. Ça reste correct. Dans la partie, je m'amuse. Donc, pour les plus petits abonnés, donc c'était pas ça, un hochet avec ou un livre de bain. Pour les plus grands abonnés, au parc ou à la plage, bébé pourra jouer avec son seau dans le sable. Donc, 6,90 € le seau de plage. Plouf, je suis dans l'eau. Pour tous les abonnés, le maillot de bain mouillé. Le sac à maillot de bain, petit béguin, 1,99 € le petit sac pour le maillot de bain, ça va, c'est pas trop cher. Pour tous les abonnés, le maillot de bain jetable absorbant Little Sweet.
Donc, bah, par contre, c'est 8,99 € le pack de couches. Alors là, c'est juste un échantillon de deux. Par contre, moi, j'en ai acheté un paquet de 10. Je ne sais plus s'il y en a 10 dedans. Je ne les ai pas payés 8 euros. Je les ai payés beaucoup moins cher au Leclerc dans les 6-7 euros. Ce n'était pas donné, quoi qu'il arrive, mais ce n'était pas 9 euros. Hein. C'était beaucoup moins cher. Donc là, je crois qu'ils ont pris le magasin le plus cher. Pour tous les mamans abonnées, vous offre. Donc, Tini Léo vous offre un joli tote bag. Donc, le prix de vente serait de 9,90 €. Ah oui, donc on le paye. 9,90 € un tote bag. Bon, je sais que c'est pas donné n'importe où. Un sac en tissu comme ça, c'est pas donné. Okay. Je suis gâtée pour tous les petits abonnés. Un bon d'achat de 15 euros donc, sur le site Meli-Jo. Ça, on a eu. Donc, ça, c'est super. Pour les plus petits abonnés, encore, on avait droit encore à. Donc, il y avait une gigoteuse de gros bagues. Ah, la marque. Oh, super, une gigoteuse. C'est chouette, ça. Super canon. D'une valeur de 42 euros. Pour les plus grands, indispensables, les lunettes. Donc, nous, on avait. Donc, moi, j'ai vu les lunettes à 24 euros, les lunettes, quand même. Mais bon, ça ne compense pas les 42 euros de la gigoteuse. Hein. Il y en a qui sont laissés. Ah, et des brassards ou un ballon. Ah, donc on a eu le ballon encore en plus. C'était des brassards ou un ballon. Bon, le brassard, bon, il est un peu petit encore. 5,90 € le ballon Fleurby. Donc 24 plus 6, ça fait 30 euros. Il manque encore 12 euros par rapport à la gigoteuse. Hein voilà, chance une gigoteuse. Hein. Oh, pourquoi il n'est pas plus petit, moi, le mien? Bon, voilà, c'est le jeu, hein. Mais bon, ça va, j'ai eu quand même de belles choses. J'ai eu des lunettes, et ça, franchement, je crois que c'est mon article préféré, celui-là. C'est vraiment le top. Après une bonne journée, je me repose. Pour les plus petits abonnés, le livre CD Compine Verseuse, donc c'est pas ça. Pour les plus grands, mon imagier du Père Castor, donc 11,75 € ou 10,50 € si on a les 5% de réduction, là, les fameux 5% de réduction. Donc je crois que c'est mon deuxième article préféré, le livre, qui est juste magnifique. Et donc voilà, c'est fini. Et donc le prochain thème de septembre sera la rentrée des classes. Voilà. Et ben moi je dis super box. Hein, après les articles, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9. J'ai 9 véritables articles et puis j'ai deux bons d'achat, enfin un bon d'achat de 15 euros. Et puis je ne sais pas s'il faut compter ça. Ça ferait 12, 13 articles. 12, 13 articles. Enfin, pour moi, je ne les compte pas, hein, c'est des échantillons. Donc voilà, on en serait plus à 8, 9 articles. Donc voilà, je vous ferai la somme autour. Là, après, je pense que voilà, ça reste correct par rapport au prix de la boîte. Voilà, je vous dis donc, dites-moi ce que vous avez reçu si vous pouvez, pour quel âge, si vous avez reçu, sinon dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine box. Ciao!